Bonjour et bienvenue sur la web TV de sonovent.com. Ici Aymeric sur le salon à Francfort, Musique Messe 2014. Et j'ai avec moi le produit MPX-16 de la marque Akai. Le MPX-16 est une version évoluée du MPX-8, donc le grand frère. Vous allez trouver 16 pads, comme son nom l'indique, et plusieurs particularités assez intéressantes. En effet, vous allez pouvoir enregistrer vos samples directement via une entrée stéréo en jack, gros jack, 635. Mais il y a aussi un micro interne intégré qui vous permet d'enregistrer à la volée, pourquoi pas, les cris du public ou votre voix. Un écran LCD est intégré afin de sélectionner vos programmes, vos réglages, tous vos samples, donc échantillons à la volée. Très important, sur le MPX-16, vous allez retrouver une multitude de réglages possibles, avec le réglage possible de la vélocité, du cut-off, des filtres, de l'attaque et ainsi de suite. Les pads sont sensibles à la vélocité avec un rétroéclairage sur chaque pad. Le MPX-16 est aussi doté d'un port de carte SDHC. Il va vous permettre d'enregistrer vos samples à la volée sur la carte SD, mais aussi d'insérer tous vos réglages que vous aurez préalablement fait sur le logiciel Ableton ou un autre logiciel et d'y insérer tous vos samples directement sur les pads. Sur l'arrière du MPX-16, on peut donc constater le port USB, le rajout possible d'une alimentation en option, le câblage entrée-sortie en MIDI, et enfin les entrées en jack pour l'enregistrement, les sorties en jack pour vous brancher directement sur une table de mixage, et une sortie casque en jack 635.